Patrick, je ne sais pas quel genre de relation tu entretiens avec tes poils dans la vie. Olivier, en contrepartie, lui, cette année, c'est un sujet qui le passionne beaucoup. Non, mais c'est pas vrai, je parle juste de poils. Je parle aussi de pandémie. C'est mes deux sujets. Puis en fait, j'allais parler de pandémie, mais là, je vais voir tes sourcils, puis là, je suis tout perdu, là. Fait que là, je reviens à poils. Mes sourcils dansent. Ah, ça m'a tout. Autant il m'en manque en arrière ici, j'en ai trop. Écoute. Dérouté complètement. Mais toi, t'as quel âge? 40. 40, OK. Ouais. Mais tu vas voir, je pense que c'est à partir de ça, 40, qu'on trouve des poils partout. Toi, tu vas capoter, tu vas être content. J'ai primé ça hier, je me suis dit que ça sent. Hey, tu es comme, t'sais, comme un magicien, là, puis t'es comme, c'est quoi cette affaire-là? Non, mais c'est ça. Pommes, puis c'est ping. Tu te regardes dans le miroir la veille, t'es correct, tu te réveilles le lendemain, t'as un poil blanc, ça de long. Je te le dis, il n'y a pas besoin, c'est long de même, partout. Bon, on parlait de sourcils, hein. Ouais. Il y a une étude qui vient de se mériter tout récemment un prix Ig Nobel. C'est un prix international qui reconnaît des recherches intéressantes. Puis ce prix-là en particulier, il parlait des sourcils. Puis la chercheuse qui vient de l'université McEwan en Alberta. Saviez-vous qu'il y avait une université McEwan en Alberta? Non! Moi non plus! Ouais, oui. Ben, non, mais je voulais qu'on dise oui ensemble. Non, là, non. On a l'air intelligent. Il y a personne qui le sait, qui t'ouvre pas. Okay. Mais elle, elle s'est dit, est-ce qu'il y a manière de prédire si quelqu'un va être narcissique, égocentrique, en regardant les sourcils? Et la réponse est oui. C'est possible. Apparemment, les gens qui ont des sourcils plus prononcés, fait que soit plus gros ou plus définis parce qu'on s'en occupe, ont tendance à être reconnus comme étant plus narcissiques. Ah. Ouais, vous autres, vos sourcils? Moi, j'ai coupe. J'ai pas le choix. Sinon, je vais avoir des sourcils... Moi, je me passe le trimmer. Non, mais moi, je me coupe ça en cabochon, là. Au début, j'y allais au ciseau, puis là, je mets ça à 6. Sur mon rasoir avant, je fais... Fini. Ta poche dans le lavabo, rince ça, réglé. Fait que tu t'épiles pas, nulle part. Ben, je m'épile pas. Oh my God! Oh, wow. On va-tu parler de ça? On parle de ça. Moi, je me suis fait faire le chest au laser. OK. Parce que j'avais une blonde qui aimait ça. Ça, là, c'est mieux de pas être dans la pub. Hey, c'est... Moi, je me suis fait faire le chest au laser. Mais ça a commencé avec ma blonde, à un moment donné, à l'époque, la mère de mes enfants, en fait, qui disait... Puis moi, j'étais très poilu. Puis à un moment donné, je m'étais rasé en joke, puis elle avait aimé ça, puis bref. Deuxième fois, j'étais un petit peu sur le party, je me suis fait faire ça au neat. Là, j'ai dit, ah, elle va être contente, tout ça. Mais tu sais, quand tu te gardes trop longtemps, là, avec des rougeurs puis des cloques partout sur une chaise, dernière fois que j'ai fait ça. Bref. Moi, j'aimerais qu'on revienne au poil, Patrick, ensemble. Tu sais, bon, sans vouloir t'insulter, là, tu sais, je regarde tes tempes, Patrick, là, puis tu verses dans le poivre et sel, éventuellement, sel. Ça. Tu vis comment ça? Ça sera pas long. Hey, je vis bien avec ça, moi, vieillir. Pour vrai? Je te dirais que c'est plus à la télé des fois que je suis plus conscient parce que pour vrai, depuis plusieurs années, je commence à caler ici. J'en ai de moins en moins. Puis l'éclairage de télé fait en sorte que ça n'a pas d'allure. Là, on voit juste ça. OK, puis vieillir en général? Vieillir, je m'en fous. J'aime ça. C'est le thème, je pense, de mon quatrième one-man show. Je dis que plus on vieillit, plus on est heureux parce que plus on vieillit, plus on apprend à se foutre de ce que les autres pensent de nous autres. Mm-hmm. Puis moi, je suis un papa, tu sais. Je veux dire, j'ai des enfants maintenant, puis... Je vais toujours rester jeune et immature, ça, c'est clair. Mais non, ça me fait pas peur vieillir. Moi aussi, je suis papa. Ben, je suis papa de 4, en fait. Puis on a tous choisi des métiers qui sont loin d'être sécurisants du point de vue financier. Ouais. T'sais, c'est-tu des affaires qui t'inquiètent, toi, de ce temps-ci? Oui. Bien, ça m'inquiète, oui, mais je me dis pas ça longtemps que je t'inquiète. J'aime mieux travailler. Je suis un travaillant. Moi, je l'ai toujours été. Puis je l'ai dit tantôt, une espèce de rigoureux. Fait que j'essaie de trouver des projets, des façons de faire, des... Puis je veux pas faire n'importe quoi, puis je veux pas botcher non plus. Fait que je mets beaucoup de temps dans mes affaires, que ce soit des concepts télé, que ce soit dans on parlait des conversations tantôt, tu sais, le disque. J'essaye de trouver une façon de gagner ma vie, parce qu'il faut que je gagne ma vie en attendant. Là. Patrick Gros, tu vieillis bien, ça, c'est confirmé. Ah, ben t'es bien. Moi, je te le dis, il fallait que tu viennes à Ottawa pour te le faire dire. Santé, mon ami. Souvent. Merci de t'être déplacé pour venir nous voir. C'était le fun. On était très content de pouvoir prendre un verre avec toi. Puis attends pas de vieillir trop avant de revenir faire ton tour. Nous autres, les portes sont tout le temps bien grandes ouvertes. Parfait. Salut, Patrick. Bye. Merci à vous autres.